Ah, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, aux spectateurs, bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la séance. Vous avez eu la chance d'avoir accès à l'ordre du jour de la séance de ce soir. Est-ce qu'il y avait des changements, des ajouts, des questions avant qu'on puisse débuter? Monsieur le maire, il y aurait trois ajouts de résolution. À 6-14, on aurait l'embauche d'une adjointe administrative au service de sécurité incendie. À 6-15 et à 6-16, démission d'un pompier au service de sécurité incendie. Vous devez avoir aussi l'ajout d'un dépôt de documents pour le rapport d'activité de la trésorière au conseil municipal à 7.6. Je pense qu'en 9 ans, c'est la première fois qu'on a un ajout. Il y a la section de la greffe. Proposition. Alors, proposer lever l'Assemblée. Monsieur le maire. On va commencer rapidement. Je vais l'appuyer. Écoutez, il fait assez froid. Là. C'est pour ça que des fois, je peux avoir l'esprit un peu gelé. Là. On peut avoir du beau temps. Alors, proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Duval. Merci. Quand vous avez eu la chance de regarder les minutes de la séance ordinaire du Conseil le dernier, là, le 14 de mars. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Thomassin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, nous allons passer tout de suite au projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 848-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin de créer une affectation résidentielle de forte densité le long de la route 204 au nord de la 117e rue. Ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de forte densité du côté ouest de la 204 au nord de la 117e rue. Actuellement, ce secteur est compris dans une affectation commerciale de type local et régional. Il y aura une assemblée publique de consultation le 25 avril 2022. Donc, nous recommençons les assemblées publiques de consultation en présentiel juste avant la séance à 7h30. Il y aura un avis dans le journal à cet effet pour chacun, d'ailleurs, des règlements où il y a assemblée publique de consultation. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Elle est appuyée. Appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 849-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de remplacer la zone commerciale CD-319 située le long de la route 204 par une zone résidentielle de forte densité. Donc, ce projet de règlement pour effet de remplacer la zone commerciale située le long de la route 204 au nord de la 117e rue par une zone résidentielle de forte densité permettant les habitations multifamiliales de 12 logements maximum. Et même chose, là, il y a à l'Assemblée publique de consultation le 25 avril prochain. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier-Jean-Pierre. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 850-2022, amendant le règlement numéro 268-2008 afin d'abroger les dispositions applicables à la zone CD-319. Le règlement numéro 268-2008 étant un règlement PIIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce projet de règlement pourrait faire d'abroger les dispositions applicables à la zone commerciale CD-319, puisque celle-ci est remplacée au règlement de zonage par une zone résidentielle. Cette zone est située en bordure de la route 204 au nord de la 117e rue. Et il y aura assemblée publique de consultation le 25 avril également sur ce règlement. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyée par M. Thomassin. Merci. 4.4.
C'est le projet de règlement numéro 851-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'augmenter le nombre de logements permis à la hauteur maximale dans la zone RE621. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les habitations multifamiliales de 60 logements et les constructions de 7 étages dans la zone RE621 située entre la 175e rue et la 180e rue à l'ouest du boulevard Lacroix. Donc, c'est la zone en arrière là, du métro là, et de la pépite d'or. Et c'est pour remplacer les 36 logements par du 60 logements. Il y aura également assemblée publique de consultation le 25 avril prochain. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Duval. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 4.5. Donc, c'est le projet de règlement 852-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de modifier les affectations dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue. Ce projet de règlement a pour effet de créer des aires d'affectation résidentielles de moyenne et de forte densité dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue à l'est de la 22e avenue. Il y aura également assemblée publique de consultation le 25 avril prochain et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.6. Donc, c'est le projet de règlement numéro 853-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des multifamiliales de 8 logements, de 2 étages maximum, des jumelés et des unifamiliales isolées dans le futur prolongement de la 144e rue entre la 22e avenue et la 25e avenue, et des multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, des maisons rangées, des jumelés et des unifamiliales isolées dans le futur prolongement de la 147e rue, toujours entre la 22e avenue et la future 25e avenue. Actuellement, seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées dans cette zone. Et il y aura également assemblée publique de consultation le 25 avril prochain. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Thomassin. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. On va passer maintenant à l'adoption de règlement, le 5.1. Donc, c'est le règlement numéro 839-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin de remplacer une affectation industrielle par une affectation commerciale dans la 91e rue et afin d'ajouter des usages pouvant être autorisés dans certaines affectations. Ce projet de règlement a pour effet de remplacer l'affectation industrielle située dans la 91e rue entre la 5e avenue et l'ancienne voie ferrée par une affectation commerciale et d'ajouter des usages pouvant être autorisés dans certaines affectations. Cet ajout permettra de procéder à certaines modifications du règlement de zonage sans devoir modifier le plan d'urbanisme à chaque fois. Donc, ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et il y a eu une période de consultation écrite du 24 février au 10 mars dernier. Proposition. Proposée par Mme Fortin, appuyée par M. Duval. Merci. 5.2. Donc, c'est le règlement numéro 843-2022 concernant l'octroi d'un crédit de taxe au développement industriel. Donc, on a remodifié le règlement actuel afin que celui-ci s'applique à tous les immeubles rencontrant les critères prévus dans la loi et non seulement ceux situés dans le parc industriel. Et ça va remplacer le règlement 808-2021 qui avait été adopté le 12 juillet 2021. Proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Vanman. Merci. 5.3. Donc, c'est le règlement numéro 844-2022, modifiant le règlement numéro 829-2021, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité et autres avantages pour l'année 2022. Donc, nous le modifions là, afin d'ajouter la tarification du camp de jour, des frais de retard lors du départ des enfants après la fin de la journée et d'ajuster la tarification de l'espace Carpe Diem. Proposition. Proposée par M. Thomassin. Appui. Monsieur Redman, je vais appuyer. Appuyé par M. Thomassin. Je ne peux pas lire sur lèvres, il faut que j'entende. Merci. Maintenant, l'adoption des résolutions, le 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 4 au 17 mars. C'est un montant de 2 773 982 $. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Par M. Duval.
6.2. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers terrains en prise municipale pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 8 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. 77-62-763 Canada Inc., 34 768 et 44, Québec Arbre, 39 384 et 69. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à accorder à la compagnie 776-27-63 Canada Inc. le contrat pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers terrains en prise municipale pour le service des travaux publics pour une période de 24 mois estimée à 34 768 et 44. Ça va être payable sur demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redman. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.3. Alors, même type de service, travaux arboricoles, cette fois-ci, c'est pour des parcs, pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 8 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Québec Arbre, 64 184 et 79. Le projet de résolution vise à accorder le contrat. Ça va être payable à même, selon la demande réelle et à même le budget de fonctionnement pour les 24 prochains mois. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.4. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'oxygène liquide et de gaz carbonique pour une période de 5 ans. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission. Lindell Canada Incorporé, 605 527 et 34. La soumission est conforme. La résolution vise à accorder le contrat à cette compagnie pour une période de 5 ans pour la fourniture de gaz carbonique et d'oxygène liquide, oui, pour un montant de 605 527 et 34. C'est quelque chose qui est utilisé à l'usine de filtration. Ça va être payable annuellement à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposée par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redman. Merci. 6.5. Adjudication de contrat pour la fourniture de matériel informatique. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 5 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Micrologique Sainte-Foy, 78 415 et 25. CDW Canada Corporation, 79 282 et 17. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Micrologique Sainte-Foy limité. Donc, pour la fourniture de matériel informatique pour un montant total de 78 415 et 25, un montant de 64 832 et 13 va être financé à même le budget de fonctionnement section immobilisation et un montant de 13 583 et 14, incluant les taxes, à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, également prévu au plan triennal d'immobilisation 2022. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. 6.6. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission des entreprises Air Drouin, un montant de 131 339 et 39. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat. C'est la fourniture, je le rappelle, sur demande de produits sanitaires et pluviaux pour une période de 12 mois qui va débuter le 15 avril 2022. Et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Bel appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.7. Alors, adjudication de contrat, cette fois-ci, c'est pour la fourniture, toujours sur demande, d'accessoires pour des conduites d'aqueduc et d'égout pour 12 mois. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. J.U.O. Limité, 316 883 et 40. Woldsley Canada, 347 862 et 88. Et Réaluat Incorporé, 384, 166 et 92. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à juger à J.U. Hull le contrat. C'est un montant qui va être payable selon la demande réelle et à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 6.8. Alors, contrat cette fois-ci pour la fourniture, toujours sur demande, de matériel en vrac pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Alors, pour le groupe 2, Excavation Herbaudoin et Fils, 158 937 et 99. S. Roy, 189 594 et 92. Giroux et Lessard, 202 138 et 70. Pavage Abénaki, 218 702 $. Pour le groupe 1, un seul soumissionnaire, Pavage Abénaki, 108 841 et 8. Les soumissions sont conformes. La résolution vise donc à adjuger le contrat à Pavage Abénaki limité pour le groupe 1, qui est l'abrasif de pierre concassée lavée pour une période de 12 mois au montant de 108 841,8.
et à excavation Herbaudon et fils pour le groupe 2, qui sont du granulat de pierre concassée, toujours pour une période de 12 mois, au montant de 158 937,99. Ça va être payable à la demande réelle et à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposée par M. Redman. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.9. C'est pour accepter les critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le prolongement du réseau d'égouts sanitaires dans la 41e rue, la 44e rue Nord, 19e avenue à 28e avenue Nord. La loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. L'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour ce prolongement des réseaux d'égouts sanitaires selon les critères suivants. Expérience de la firme, 15 points. Compétence et disponibilité du chargé de projet, 25 points. Expérience de l'équipe de conception des plans et devis, demande d'autorisation au ministère, 25 points. Expérience de l'équipe de surveillance et capacité de relais, 25 points. Adresse de service, 5 points. Et lieu de résidence du surveillant principal, 5 points. Proposition. Par M. Fortier, Jean-Pierre. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier, Renaud. Merci. 6.10. C'est l'octroi d'un contrat pour la fourniture d'habits de protection incendie de type bunker pour le service de sécurité incendie. L'entreprise d'équipement incendie CMP Maillé nous propose 12 habits de protection au montant de 28 697,76 incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division approvisionnement et mettre un bon de commande auprès de l'entreprise d'équipement incendie CMP Maillé Incorporé pour l'achat de 12 habits de protection incendie pour un montant de 28 697,76. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement et ça nous permet d'avoir le même type de matériel que l'on a déjà et avec lequel on est satisfait. Proposition. Proposée par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Fortin. Merci. 6.11. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité. Alors, c'est un montant de 7 560 $ à l'Association du hockey mineur, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition, M. Thomassin. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. 6.12. C'est la nomination d'un membre sur le comité de circulation. Alors, dorénavant, il y aura un citoyen qui va siéger sur le comité de circulation. La résolution vise à ce que le Conseil nomme M. Denis Lacasse à titre de membre du comité de circulation en tant que citoyen pour un mandat de 2 ans. Proposition. Proposée par M. Redman. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.13. C'est l'embauche d'une commis de restaurant et bar pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons une recommandation de M. Michel Mercier, régisseur Arena et installation aquatique, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Anaïs Veilleux. Donc, c'est pour confirmer cette embauche et que la période prévue au rapport là, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par Mme Fortin. Merci. 6.14. C'est l'embauche d'une adjointe administrative au service de sécurité incendie. Attendu le départ d'une adjointe administrative au service de sécurité incendie. Attendu la recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, de M. Frédéric Morin, chef de division sécurité incendie, et de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation et santé et sécurité, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Caroline Morin. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Morin à titre d'adjointe administrative au service de sécurité incendie, selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 1, et ce, à compter du 4 avril 2022. Proposition. Proposée par M. Thomassin. Je l'appuie. M. Redman. Merci. 6.16. C'est pour accepter la démission de M. Alain Leclerc à titre de pompier et lui adresser des remerciements pour les services rendus à la Ville. Proposition. Proposée par Mme Fortin. L'appuyer. Appuyée par M. Fortier-Renaud. 6.17. Également, accepter la démission de M. Samuel Goupil à titre de pompier et lui adresser des remerciements. Il faut savoir que lorsque des pompiers quittent, c'est souvent le manque de disponibilité là, au niveau du travail et, ou des déménagements ou des au niveau professionnel. On va remercier leur travail pour les années qui ont passé au service des pompiers. On va proposer par M. Thomassin et je vais l'appuyer. M. Redman. Merci. Nous en sommes au dépôt de documents. 7.1. Donc, c'est le rapport de fuite ou bridau sur le réseau d'aqueduc en 2021. Bon, ça, c'est un excellent travail. Il y a beaucoup, beaucoup de données. On s'améliore beaucoup. On a de moins en moins de fuites, comparativement à d'autres villes au Québec. 7.2. C'est le rapport d'audit de conformité sur la transmission des états financiers. Si. Ça, pouvez-vous l'expliquer un peu, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les dépenses que... Ah, non.
Je pensais que c'était les dépenses. Je peux essayer de vous le résumer. Oui, moi, je l'ai vu. C'est que notre ville de Saint-Georges, vous allez voir, c'est page 52, qu'on a on a été audité, puis tout est parfait. On est parfait, oui. Je pense que 30% des municipalités qui sont un peu... sont juste sur le bord, là, mais la nôtre, félicitations à ceux qui sont impliqués dans dans les vérifications internes. Là. C'était beaucoup au niveau de la procédure, à savoir, là, toute la procédure qui entoure le dépôt, la préparation des états financiers. Vous avez essayé de m'en voir, là. OK, là, nous sommes au 7.3 maintenant. Donc, c'est un rapport d'embauche d'une étudiante horticultrice et de 3 étudiants journaliers au réseau Voirie pour le service des travaux publics pour les périodes variantes le 2 mai et le 2 septembre 2022. 7.4. C'est le rapport d'embauche d'une étudiante surveillante de chantier pour le service technique pour la période du 30 mai au 19 août 2022. 7.5. C'est la mise à jour de déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil. Et 7.6. C'est le rapport d'activité de la trésorière au conseil municipal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et qui fait suite aux élections municipales. Je me suis mélangé entre les deux tantôt. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer par ma gauche. Et monsieur le maire, jeudi matin dernier, il y avait un comité de travaux publics où il y avait 2 de mes collègues avec moi. On parle d'embellissement, on parle de trottoir, on parle de chaussée. Alors, toutes des choses pour améliorer notre quotidien. Le soir, j'avais aussi un conseil d'administration à la région intermunicipale. Tout s'est bien déroulé. Concernant Trium, on est rendu à 183 tonnes de traités. Donc, le procédé continue. Puis, j'ai présenté les tableaux. On va les voir la semaine prochaine au conseil. Mais on a des chiffres là, le pourcentage compostable diminue un peu parce que les gens font les déchets sont un peu plus gros, font du ménage de printemps. Ça fait que le pourcentage est un peu moins élevé que les débuts, mais on est toujours très bien placé. Comme c'est là, on est à 57 % de matière qui s'en va au compost. Donc, sur les 183 tonnes, il y a 78 tonnes qui sont allées au site d'enfouissement seulement pour le départ. Donc, très intéressant, prometteur. Je continue de croire que... La solution avec Viridis est un endroit où on doit continuer de creuser. On va forcer aussi la régie à travailler davantage sur l'éducation des gens. Quoi, mettons, les bacs bleus et les bacs noirs, des fois, il y en a plusieurs qui ont des problèmes de vision. Tu trompes de bac. Hein? Tout à fait. Puis le plan de gestion des matières résiduelles est très sévère là-dessus. Le gouvernement cherche beaucoup à demander aux citoyens de faire l'effort. Donc, le bac brun, c'est ce qui est privilégié. Donc, la région intermunicipale, bientôt, il va avoir des formations pour le compost à domicile. Puis, il va avoir des subventions au niveau du composteur parce qu'il nous manque un petit peu si jamais le projet Viridis ne fonctionnait pas ou parce qu'il n'est pas accepté dans le PGMR pour l'instant. On est toujours à faire nos preuves, mais le projet est prometteur, ça c'est clair, mais on a des obligations à rencontrer là, pour faire valoir la solution. Est-ce qu'on pourrait permettre à des citoyens d'aller visiter? Pour l'instant, c'est très serré. Il va avoir pour les élus des portes ouvertes bientôt. Je n'ai pas de date encore. C'est complexe parce que c'est un procédé industriel secret, un peu, là. Fait qu'il va avoir des vidéos, mais c'est clair que ça passe par une conscientisation. Tout ce qu'on envoie au site, si on a un surplus de gravier ou qu'on met ça dans notre bac, bien, c'est du poids. Puis on est chargé à la tonne qui rentre. Puis après ça, bien, il ne faut pas oublier que tout ce qui est... il y a aussi une fiducie post-fermeture. Ça marche avec la volumétrie. Donc, plus que le tas est gros à chaque année, plus le montant d'argent est gros aussi à engranger pour le futur. Tout ça fait en sorte qu'on a tout à fait... une prochaine construction de cellules, comme je disais l'autre jour, c'est toujours là que la régie s'endette. Puis ça va être de plus en plus difficile à créer des nouveaux sites d'enfouissement. Fait qu'il faut vraiment changer les habitudes.
Merci. Merci. Monsieur Redman. Oui. On parle beaucoup de récupération, de etc. Et on a aussi à Saint-Georges un programme de verdissement. Saint-Georges a réussi à avoir 4 fleurons, l'organisme Les Fleurons du Québec. Mais on a une faiblesse à Saint-Georges. C'est côté industriel, institutionnel et commercial que ça laisse à désirer. Saint-Georges, qu'est-ce qu'on a fait pour donner un coup de main de ce côté-là? On a une subvention de 2 500 $ maximum. Ça représente 50 % des coûts d'embellissement des propriétés industrielles, commerciales et institutionnelles. Donc, ce serait peut-être intéressant de réussir à avoir notre 5e fleuron. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui ont ça, mais Saint-Georges, je suis certain qu'on est capable, puis en donnant un coup de main comme ça aux entreprises, d'embellir la ville, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour la nature, c'est bon pour tout ça. Donc, j'invite les entreprises à profiter de cette subvention-là de 2 500 $ maximum pour embellir les alentours. Merci. Monsieur Thomassin. Aucune réunion, mais j'aimerais vous parler brièvement d'un nouveau programme du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le programme est un plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026. La région possède déjà une large gamme de services destinés à la clientèle en situation d'itinérance ou en voie de le devenir. Par contre, souvent, ces services-là sont souvent chevêtrés, isolés, mal compris. Fait que pour corriger le tir, le ministère va créer un programme dans des lieux névralgiques dans 4 secteurs de la région Chaudière-Appalaches. Ça va être Lévis, Montmagny, Thetford et Saint-Georges. En d'autres mots, ils vont créer des accueils inconditionnels dans toutes ces villes-là. Puis Saint-Georges, on est gâté parce que ça fait déjà 10 ans qu'on a l'accueil inconditionnel. Puis avec ces 10 années d'expérience-là, l'accueil inconditionnel de Saint-Georges va devenir l'organisme ressource pour les autres municipalités. Parce qu'on a beaucoup investi, il y a beaucoup de programmes de fait depuis 10 ans à l'accueil. Elle est vraiment reconnue à travers très grand. Fait que moi, je voudrais féliciter le personnel de l'accueil inconditionnel pour tout le travail qu'ils font, puis je vous jure qu'ils en travaillent un coup. Puis je voudrais aussi souligner la ville qui s'implique régulièrement depuis 10 ans, depuis la fondation de l'accueil inconditionnel, soit monétairement et par la présence sur le CA. Fait que ça prouve que quand même, à la ville, on s'occupe de tous les citoyens. J'en profite pour vous féliciter, puis je pense que vous êtes là depuis le début. Oui, je suis là depuis le début. Mais ça va prendre un autre. Mais je pense que ça a conscientisé quand même, parce qu'avant, on ne regardait pas trop ce qui se passait au point de vue pauvreté, itinérance, tout ça. Mais qu'en étant sur les lieux, en étant aux réunions, puis on s'implique même des cours un peu plus que ça, bien, on constate qu'il y a vraiment un besoin. C'est tout. Parfait. Merci. Madame Fortin. Oui, deux rencontres. Bien, d'abord, les travaux publics, là, c'est le comité sur lequel là, je siège avec M. Jean-Pierre. Donc, quand même, certaines décisions à prendre là, au niveau de l'affectation des ressources qu'on a. Aussi, on a eu une rencontre là, avec M. Duval. On est dans des balbutiements de comité au niveau du développement durable. Donc, on prévoit de faire des choses là-dedans. On fait déjà beaucoup de choses avec le Saint-Georges, mais on pense qu'on peut peut-être regrouper puis s'assurer qu'on a toujours une préoccupation au niveau du développement durable. Donc, on a commencé à travailler ça. Et puis, on en jasait tantôt, là, je tenais à souligner, attendez un petit peu, c'est Mademoiselle Rosalie Bégin-Cyr qui jouait pour les Stingers de Concordia et qui ont remporté la finale, mon Dieu, qui sont championnes canadiennes, voilà, au niveau du hockey universitaire, c'est ce que je peux comprendre. Alors, félicitations. Il y a deux autres beaucerons aussi, Mme Amy Fecteau et Audrey-Anne Rodrigue. Okay. Bravo, les filles. Oui. Merci, Mme Fortin. M. Duval.
Oui, moi, de mon côté, j'ai commencé à faire la tournée des différents comités de la ville. C'est très intéressant de pouvoir voir ça. Dans les différentes rencontres là, auxquelles j'ai participé le 21 mars au comité de la famille et des aînés qui est présidé par Manon. Lors de ce comité-là, on a parlé justement de la semaine de la famille, qui cette année va être du 9 au 15 mai. Donc, vous pouvez le noter à vos agendas déjà. Il va y avoir toute une programmation qui va s'en venir suite à ça. Et bien sûr, les inscriptions au camp de jour qui vont bientôt arriver, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois de mai. Ça aussi, vous savez, c'est des dates à mettre à l'agenda. Ensuite de ça, j'ai participé au comité Taxibus ainsi qu'à l'Assemblée générale de Taxibus le 22 mars dernier. Je vais laisser Renaud nous en parler un petit peu tout à l'heure. Sinon, le 25 mars, j'ai participé au conseil d'administration de Beaux-Arts. Puis je trouve ça important de nous rappeler que le souper de Beaux-Arts va avoir lieu le 25 mai. C'est un souper qui va être très intéressant parce qu'on va avoir la chance d'avoir une conférence de Francis Pomerleau et aussi d'avoir une rencontre puis un moment privilégié avec les sculpteurs invités cette année. Ensuite de ça, je voulais simplement rappeler que le 8 avril, il y a un café historique sur la thématique de la musique à Saint-Georges avec des gens qui font de la musique depuis longtemps. Yvon Lacasse, André Chrétien, Jean-François Bernacchi qui vont être là. Je pense que ça va être très intéressant de pouvoir les entendre. Et puis peut-être qu'il y en a certains qui ont vu ça sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais ça féliciter Bertrand Bergeron puis toute l'équipe des travaux public pour le projet pilote qui s'est avéré efficace sur le désherbage à l'eau chaude. Franchement, c'est quand... au lieu du Roundup, oui. Au lieu du Roundup, exactement, comme Esther le disait, on fait beaucoup au niveau de l'environnement. On a des gens qui sont passionnés, dévoués à la ville. Puis je pense que c'est important de souligner tout leur rapport. Donc, bravo encore une fois. Voilà. Merci. Et M. Fortier. Oui, le désherbage, d'ailleurs, ça a passé beaucoup sur Facebook. Les gens étaient satisfaits de notre projet pilote à la ville. Je pense qu'on fait des beaux coups pour l'environnement. Il faut continuer, M. Morin. Ah, excusez. oui, M. Fortier. En effet, oui. M. Duval était avec nous autres à l'Assemblée générale de Taxibus mardi le 22, mardi au matin. Oui, cette année, on a fait encore une belle année au niveau du Taxibus. C'est sûr que ça a été par vague, un peu vague pandémie. Des bouts, ça allait bien, des bouts, ça allait moins bien. Mais dans l'ensemble, le Taxibus est un service qui est très, très en demande. On voit que là, la pandémie s'atténue. Le prix de l'essence fait en sorte que les gens vont être bien choisir de voyager en taxi avec les passes mensuelles à 90 $, on dépense ça en essence dans l'espace d'une semaine. Ça fait que pour les jeunes, pour les milieux scolaires, pour ceux qui vont au travail, puis au lieu de partir en auto qui coûte quelques sous en assurance, ça fait que Taxibus, c'est une promotion. On a fait aussi une vidéo cette année pour... au début du printemps, cet hiver, là, pour faire la promotion. Puis on a mis ça sur Facebook et sur le site de la ville de Saint-Georges. Je vous encourage, allez le voir. J'aimerais aussi souligner, quand j'ai vu passer en Beauce, que Boisfranc et Garaga, deux de nos entreprises majeures ici à Saint-Georges, ont été reconnues lors du gala reconnaissance de l'Association québécoise de la quincaillerie et matériaux de construction. C'est deux entreprises qu'on peut être fiers, qui sont ici à Saint-Georges. Garaga, qui est là pour le patrimoine fournisseur dans sa catégorie, puis le Boisfranc, c'était la société qui œuvre dans les plans écologiques, sociaux et humanitaires. Boisfranc ont tendance à être fort présents pour donner aux communautaires. Ça fait que c'est deux entreprises qui sont à Saint-Georges qu'on peut être fiers d'avoir. Boisfranc et Garaga, félicitations pour votre gala reconnaissance. C'est tout. Merci, M. Fortier. Moi, de mon côté, bien, ça a commencé par le 16 de mars, le Conseil des maires. Le point d'intérêt, peut-être, qui pourrait intéresser les gens, c'est qu'on va posséder
dans les prochaines semaines une étude faite par Raymond Chabot et Thornton sur le regroupement des tous ceux qui sont impliqués au niveau des incendies dans tous les villages de Beauce-Artigan. Alors, nous, Saint-Georges, écoutez, on est quand même, notre équipe est quand même assez forte, là, mais dans certains coins, là, écoutez, c'est assez difficile, puis ça coûte cher. Alors, ils vont essayer de regrouper, voir comment on pourrait réorganiser tout ça pour offrir le meilleur service à le meilleur coût possible. Le 17 de mars, j'ai eu avec le DG, on a rencontré le sous-ministre de l'Environnement. Et concernant les compensations des milieux humides, vous savez, ça fait longtemps qu'on en parle. Écoutez, même s'il y a une ouverture, ils comprennent nos doléances, comme l'agrandissement du parc industriel, par exemple, qu'on a payé deux compensations pour le même terrain au fil des années. C'est sûr qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas reculer en arrière, ils ne peuvent pas modifier les règlements. C'est quand même frustrant parce que c'est tout près de 450 000 $ qu'on a donné. Là, c'est presque 2 % du compte de taxes là, qu'on a donné pour absolument rien parce qu'on avait eu l'approbation au préalable. Mais le changement de règlement dernière minute, les droits acquis, il n'en existait pas. Ça fait qu'on va continuer à payer. Mais il y a une amélioration. Maintenant, à partir de maintenant, on va payer beaucoup moins cher. Ils ont coupé le prix là, parce que la deuxième compensation qu'on a donnée. Le règlement a changé le 27 octobre et puis ils ont encaissé notre chèque le 2 novembre. Ils auraient dû l'appliquer, les coupures, parce qu'ils ont baissé de deux tiers des compensations, mais ils ont dit que non, parce que le nouveau règlement est rentré en fonction le 31 décembre, même si ça avait été voté le 27 octobre. Que voulez-vous? 21 mars, conférence de presse du MTQ, on a assisté aussi. Pas grand-chose qui sort de l'ordinaire pour la ville de Saint-Georges, sauf que notre député a confirmé le changement pour la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Lacroix à suivre. On n'a aucune idée quel impact que ça va faire de la façon. Là. Il devrait faire ça cet été. On a eu aussi, il va y avoir une étude qui va être défrayée à 100 % par le ministère des Transports concernant la circulation dans la ville de Saint-Georges. Mais surtout au niveau de l'Est et l'Ouest, pour voir s'il y a un besoin pour un deuxième pont. Nous aussi, le conseil, on pense que la circulation, les problèmes de circulation sont plus nord-sud, mais selon notre député, le ministère des Transports, ils veulent avoir le cœur net pour Est-Ouest. On verra ce que ça va donner. Mais le point qu'on a dit qu'on ne payait pas le pont, c'est le deuxième pont, s'il fallait qu'on arrive à une recommandation. Ensuite, la même journée, on a eu une rencontre avec le comité pour les logements abordables. Vous savez, on a annoncé le projet pour créer 40 logements dans la 120, là, l'ancien CKRB, l'ancien dépanneur qu'il y avait sur le coin. Là. Ça avance. Alors, très bien, on a jusqu'au 5 de mai pour déposer. Écoutez, là, maintenant, on est en train de tout réorganiser, tout ça. Il y a beaucoup d'informations qui sont dures à obtenir de la société, la SHQ du Québec, là. Je pense qu'on sorti vite là, la réglementation au niveau du gouvernement parce que les détails n'étaient pas tous sortis, alors on l'a au compte-gouttes. Mais ça avance, je peux vous dire que je vois les commentaires puis je vois les correspondances à ce sujet-là, ça avance. Je pense qu'il y en a une autre réunion le 12 avril. Oui. La prochaine réunion, c'est le 12 avril. Là, je ne pourrais pas assister, mais M. Fortier va pouvoir assister. Le 23 mars, on a rencontré aussi les représentants du bureau de projet qui est responsable d'éliminer les obstacles dans la rivière Chaudière pour empêcher les fameuses embâcles. Là, on est limité à deux obstacles que nous, on veut mettre la priorité. C'est le petit îlot qui est à la sortie de l'Ardoise, au sort de l'Ardoise, et l'île aux chèvres. C'était deux endroits où ça bloque année après année. Ça ne se fera pas en fin de semaine prochaine, là, mais une ouverture. Puis je pense que le fait qu'on a séparé les villes, vous savez, les premières fois, on était Saint-Georges, Beauceville, Saint-Joseph, Sainte-Marie, Scott et Saint-Lambert. On avait chacun nos problèmes, puis c'était la tour de Capharnaüm. On ne se comprenait plus, puis il y avait trop de projets qui étaient recommandés. C'était pas suivable. Là, en le faisant par municipalité, bien, écoutez, je pense qu'on va peut-être arriver à des solutions beaucoup plus rapidement. Et puis, on va espérer qu'on va régler notre fameux problème de rivière. Le 24 mars, j'ai eu une rencontre à la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. J'ai eu des élections. Nouveau président qui est là, démissionné tout de suite parce qu'il va se lancer dans la campagne provinciale au mois d'octobre. Alors, c'est par intérim. On va voir ce que ça va donner après les élections. On a décidé d'attendre parce que s'il n'est pas élu, bien, il va revenir comme maire et comme préfet et probablement comme président de la TREMCA. Ça fait qu'on ne brossera pas trop les choses.
Mais un point qu'on a réussi à mettre à l'agenda pour la prochaine réunion, c'est le poids démographique des MRC. Vous savez, moi, ça fait plusieurs années que je me plains que la MRC Beauce-Artigan, après Lévis, on est la deuxième région la plus populeuse, mais on avait seulement un vote autour de la table. Pas normal. Alors, c'est le long du fleuve, là. Je ne nommerai pas les MRC, là, mais il y avait 3-4 votes assurés. Les autres, ils se parlaient, puis on ne pouvait jamais gagner. La Beauce, toutes les 300, on est au-dessus de 100 000, les trois Beauces. On n'avait pas plus de pouvoir que 40 000 à côté. Là. Donc, il faut mettre du poids sur les votes. Là. Parce qu'il y a une couple de votes qu'on a perdu puis qu'on aurait dû gagner parce qu'on représentait beaucoup plus le plus grand nombre de population. En tout cas, on va voir, mais au moins, il y a une ouverture, là, la première fois. Le 25, bien, j'ai été à la Foire de l'emploi, qui est organisée par la Chambre de commerce ici au Georgesville. Écoutez, il y avait 80 kiosques, puis j'ai probablement parlé sur 80, probablement 75 d'entre eux. C'était tout le même message, toute la pénurie d'emplois majeure. Et ça, à tous les niveaux, là, autant de la main-d'œuvre, les manuels, autant que au niveau des spécialités et tout. Là. On a un problème, mais quand on voit que le gouvernement de la CAQ a augmenté depuis 3 ans un montant de 72 000 fonctionnaires de plus, puis on en parlait ce soir, il y a plusieurs de nos gens qui s'en vont dans les institutions publiques parce qu'ils ont les meilleures conditions de travail, fait que ça ne remplit pas nos entreprises, nous autres sortes. Et puis qu'on voit des RPA qui ferment à gauche et à droite parce qu'ils s'en vont tous dans le public, c'est un métier plus payé. C'est un peu frustrant, mais écoutez, il ne faut pas lâcher ce secteur-là parce que c'est important. D'ailleurs, ce matin, je rencontrais le ministre Lamontagne, qui est notre ministre régional. On a parlé beaucoup de la pénurie d'emploi. Et puis, il est conscient de tout ça. Il parle beaucoup de robotisation. Le gouvernement parle de robotisation et d'automatisation, c'est sûr. Mais c'est des petites PME, des fois, c'est plus difficile. Alors, quand vous avez une plus grosse entreprise qui produit à la chaîne, c'est plus facile d'avoir un robot qui contrôle tout ça. Alors que la petite PME, les autres, ils font des commandes bien précises. Le robot, il ne serait pas rentable. Là. D'abord, ça demande des investissements majeurs, puis ça prend du monde aussi pour les opérer. Fait qu'on a aussi parlé de la loi 103. La loi 103, c'est au niveau de l'aménagement du territoire. Je peux vous dire que, je prends l'exemple de Saint-Georges, vous savez, on avait essayé d'agrandir le périmètre urbain dans l'Ouest pour avoir un complexe de personnes âgées, ensuite des logements, des jumelés et tout, qu'on a été refusé par la CPTAQ à 2 occasions. On n'est pas capable d'avancer de ce côté-là. Mais ça va s'avenir, ça va être la mode. On ne pourra pas agrandir les périmètres urbains. Il va falloir, maintenant, ça va être au niveau de la MRC. Alors, si, mettons, quelqu'un arrive avec un projet, c'est à Saint-Georges, on n'a pas d'espace, il va nous dire à la MRC, à Dorset, il y a un grand terrain disponible en zone blanc, c'est d'aller là. Alors, je pense que... On ne sait pas qui a inventé cette réglementation-là. Ce n'est pas les municipalités, c'est sûr et certain. L'UPA dit que non, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont contre aussi. Alors, parce que là, on commence à jouer dans notre identité régionale en faisant ça, en nous imposant où on devrait construire. Tantôt, là, on a beau dire qu'on est des gouvernements de proximité, mais ça devient de plus en plus honorifique, là. On n'aura plus le choix, là. Puis Saint-Georges, si vous le voyez, là, notre périmètre urbain dans l'Ouest, là, c'est pratiquement rempli à 100%. Il n'y a presque plus d'espace pour construire. Alors, on ne peut pas agrandir. Parce que juste au domaine... Au niveau du parc industriel dans l'Ouest, on vient de vendre notre dernier terrain. Vous savez, on ne peut pas aller plus grand. La même chose dans l'Est. Puis en plus, dans l'Est, on a un paquet de milieux humides. On est coincé. À un moment donné, ça ne sera pas long qu'on va mettre la clé dans la porte et on va dire qu'il n'y a plus de rénovation, il n'y a plus de construction nouvelle à Saint-Georges. On ne pourra pas agrandir. Il va falloir remplir les zones blancs de toute la région de la MRC. Écoutez, c'est puis, ce matin, ça a parlé un peu fort avec le ministre là-dessus, parce qu'il est le ministre de l'Agriculture, il est impliqué indirectement, là. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas non plus tout ce qui est zone verte, on ne veut pas le construire partout, là, on comprend ça. Mais quand c'est comme ici, là, c'est proche de l'autoroute, ce serait normal qu'on puisse décider que le pouvoir soit gardé au niveau des MRC pour le faire et non au niveau de la CPTAQ. À suivre ce dossier-là. C'est pas mal tout, mais je peux voir, là, ça recommence les réunions, là, malgré que le COVID a envie de ressortir, mais les réunions, on en fait de plus en plus. Personnellement, je préfère ça en présentiel. On peut se parler dans le visage pas mal plus que quand on est en Zoom. En Zoom, il faut être poli, il faut se retenir, parce que des fois, il y a des oreilles sensibles
qui sont branchés avec nous autres. On ne règle pas les vrais problèmes, on les échappe. Là. OK, c'est pas mal tout. On va passer s'il y a des questions maintenant. Questions du conseil. Tout est clair, comme l'eau de roche. Juste rajouter que j'ai eu une conversation avec une dame qui est propriétaire d'une plomberie, c'est à Saint-Georges. Puis là, présentement, au niveau de la construction, il y a des jeunes qui construisent, font de l'auto-construction parce que les coûts ont monté exponentiels. Fait que là, ils se lancent dans l'auto-construction. Puis nous autres, ici à Saint-Georges, bien, l'auto-construction, bien, c'est un peu... On n'a pas nécessairement le droit. On n'a pas le terrain. On n'a pas de terrain. Ça fait que c'est une problématique que ce que vous avez dit. Là, dans le secteur ouest, on est rendu que les gens nous demandent où est-ce que je voudrais m'installer. Bien, on ne peut même pas penser avoir un terrain dans le secteur ouest. Ça fait que soit qu'on monte en hauteur ou bien non qu'on grossisse. Je ne sais pas ce qu'on va faire, là, mais ça suit. En tout cas, attendez-vous de la loi 103. Il va y avoir plusieurs débats là, pour s'assurer justement qu'on puisse agrandir notre périmètre urbain encore. Madame Fortin, vous aviez un point? Ah oui, bien, vous avez parlé beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Oui, il y a différents éléments au niveau provincial, mais il ne faut pas oublier aussi que notre gouvernement fédéral, au niveau de l'immigration, c'est pas tellement efficace. Les gens ont des certificats de sélection du Québec, puis il se passe pas grand-chose, alors que ça va plus vite pour d'autres provinces. Donc, il y a des questions à poser aussi à nos représentants au fédéral, là. L'immigration, ça n'a pas l'air d'être facile à faire bouger. Mais le problème est complexe au niveau de l'immigration. Là. Je peux comprendre que... Oui, mais quand ils ont un certificat de sélection du Québec, là, pourquoi qu'ils se traînent les pieds? Ouais, mais oui, c'est sûr qu'on peut rentrer par le chemin de Roxham. C'est la façon la plus facile d'entrer au Canada pour Québec. Là, par là. Mais il y a aussi les permis de travail. En matin, il y avait un spécialiste des permis de travail. Là. Ça a l'air d'être les travaux d'Astérix aussi. Là. OK? Il faut... Et puis, il y en a qui payent, il y a des entreprises qui payent des gros montants pour aller chercher des gens à l'extérieur. Et puis, ils arrivent ici, puis quelques semaines après, ils ont un permis ouvert. Alors, c'est l'autre qui en profite, l'autre à côté qui n'a pas payé pour le faire venir. Il donne 2 $ de plus de l'heure, alors que l'autre, il a payé des milliers de dollars pour l'amener de son pays. Là. Tu sais, c'est compliqué pour s'assurer que tout le monde soit heureux. Là. J'écoutais ça ce matin. Là. Oui, mais ça me fait penser qu'on va... Dans les prochains jours, on devrait vous annoncer qu'on va faire une récolte de nourriture, la nourriture non périssable et des vêtements seulement. Le reste de l'argent, c'est pour les Ukrainiens. Là. Alors, on va travailler avec Mme Olga, notre famille, c'est Olanova, là, quelque chose comme ça. Et puis, ça va être ici, là. L'endroit de sélection, ça va être ici, dans l'ancienne caserne, au sous-sol de l'hôtel de ville. Alors, à suivre, là, ils sont en train de monter une équipe qui vont s'occuper de la réception puis de s'assurer que l'équipement est envoyé au bon endroit. Dans un premier temps, c'est sûr que vous avez vu, comme moi, qu'il y a tellement d'équipements qui s'est ramassé au niveau du Québec, puis de Montréal, puis les grandes villes, qui ont de la misère à le chipper en Pologne ou des endroits non plus loin. Premier temps, je pense qu'on va les garder ici, en attendant qu'il arrive des Ukrainiens. On m'a dit qu'il y avait plusieurs Ukrainiens qui veulent choisir le Québec, puis qu'ils s'en viendraient dans la Beauce, là. Alors, il faut encore finaliser les détails, comment ça va s'organiser. Là. Parce qu'au niveau logistique, ça peut devenir un cauchemar avec la langue, puis s'assurer que les endroits... Je sais que Mme Olga, je ne connais pas son adresse Internet, là, mais vous allez voir ça dans le communiqué de presse cette semaine. On devrait le sortir jeudi ou vendredi, là, pour justement, s'il y a des familles qui sont intéressées à prendre en charge des familles ou des femmes et des enfants, là, majoritairement, là, pour aider justement la souffrance des Ukrainiens suite à la guerre. Là. Mais à suivre, mais je voulais juste donner un heads up pour vous dire que ça s'en venait d'être prêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui sont prêts à aider, qui sont prêts à s'impliquer. Là. Je les ai envoyés toutes à Mme Olga pour s'assurer qu'elle coordonne tout ça, parce qu'elle va nous servir de traductrice aussi. Là. Et voilà. D'autres questions? Public? Pas de questions? Non. Les questions du public, c'est des fois, c'est gênant de venir ici la poser. Vous pouvez me l'envoyer ou l'envoyer aussi au conseil municipal. On va lui répondre la semaine d'après, là, quand il y a une séance du conseil. Ça va nous faire plaisir. Envoyez-nous des courriels avec une question, puis
On va vous répondre. Il n'y a pas de problème. À l'occasion, on a des courriels de félicitations. Pardon? À l'occasion, on a des courriels de félicitations, puis on les prend tous. On n'est pas ici pour ça. On est ici pour les prend assurer tout. Que tout le monde est heureux. Mais on les prend quand même. Donc, on a toutes sortes de courriels. Des fois, ils sont plus durs un peu. Là. Mais c'est fait du bien. Par où ça passe? D'autres questions? Sinon? Levé de l'Assemblée. Proposé par M. Thomassin. J'ai appuyé. Et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre pour la levée de l'Assemblée. Prochaine réunion, c'est le 11 avril. 11 avril. Même heure, même poste. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.